J'ai la chance d'avoir mon bureau à Strasbourg, un voisin qui est philosophe. I am lucky to have an office in Strasbourg, in France, and a neighbor who is a philosopher. Et ce philosophe me dit que dans l'histoire de l'humanité, jamais on a vécu une accélération pareille. And this philosopher had told me that in the history of mankind, we have never lived such an acceleration that is of the same level. Et cette accélération, je crois que sa première impression que j'ai eue à Singapour, c'est qu'ici, on la sent vraiment. So, this acceleration that I was talking about is the first impression that I have in Singapore. Et ça rend d'autant plus actuelle la question du patrimoine, de l'héritage, parce que dans cette période de grande accélération, ça donne un repère et des racines. So this is very relevant to our topic today of heritage in this time of big acceleration, because this will bring us back to our roots and as a reference point. Ce que on veut dire à travers cette question du patrimoine, c'est que c'est qu'est-ce qu'on va transmettre à nos générations futures. So from the question of heritage, what do we transmit to the future generation? Et c'est un peu le thème de mon intervention cet après-midi. So this is related to my theme this afternoon. Qui est placé sous ce titre que je trouve particulièrement approprié à Singapour, c'est protéger pour développer et développer en protégeant. And this is under the theme, the title that I have chosen today, which I think is appropriate in Singapore's case. So the title is Protect to Develop, Develop while Protecting. Dans les interventions de hier après-midi, sur Singapour, j'ai compris qu'on était constamment dans cette problématique. So from the presentations on Singapore yesterday that I've heard, I understand that this is relevant. Et puis, pour le plaisir, parce que je trouve cette phrase de Gustav Mahler, qui est un musicien bien connu, qui est un peu mon guide dans cette présentation, qui dit l'héritage, c'est transmettre le feu, ce n'est pas vénérer les cendres. And under the guide of this well-known magician, who said that heritage is to transmit the fire, not to worship ashes. Comme vous avez compris, je ne suis pas architecte. Je ne construis pas de bâtiment. Mon métier, c'est le métier de paysagiste. So, as you understand, I am not an architect who built buildings. I am an urban planner and architect. Et c'est pour cette raison je pense que cette question de du rapport au patrimoine, je l'élargis à la question du rapport au territoire. So, regarding this question about heritage, I think it's related to the territory. Je commence toujours par la question de l'eau, qui est une des questions fondatrices pratiquement de toutes les villes du monde. So, I always start with water, which is the foundation of all the towns in the world. J'ai pas eu le temps de visiter vos réservoirs, donc j'ai pris une image du Sri Lanka, je m'en excuse. I'm sorry that I've not visited your reservoirs, so I've taken an image of the reservoir in Sri Lanka. Mais
cette question de la manière dont est traitée la goutte d'eau qui descend du ciel et qui va jusqu'à la mer est souvent totalement fondatrice de la manière dont sont construites les villes. Mm-hmm. So, a reservoir is to have the water drop, a drop of water that falls, and then this will become the foundation of a town. Et je crois que hier on a surtout évoqué la question du patrimoine construit. Je pense que c'est, j'en discutais avec Didier hier soir, on peut dire qu'à Singapour, ce qui devait être protégé est protégé. So yesterday we had heard about built heritage, heritage that was built in Singapore, and I had discussed with Didier, and we said that what had been protected have been protected. What was supposed to be protected had been protected. Certes, tout est perfectible. On l'a vu avec Little India. Yes, and we have seen that with Evelyn yesterday. Mais personne n'imagine aujourd'hui de détruire Little India, ce qui était probablement parfaitement possible dans les années 70. But no one had thought that this was possible in the 1970s. Cette relation au lieu est une question qui se traduit par la protection des paysages et qui se cristallise dans ce rapport entre les territoires et l'architecture. So this relationship is based on the relationship between the territory. Sorry, pardon. Est-ce que vous pouvez répéter se fonder sur? J'ai dit que cette question de la rapport entre le territoire se traduit dans l'architecture par une, enfin se cristallise pardon dans l'architecture dans ce rapport. So this relationship between territory and heritage will be translated, will be the fruit of what you can see in heritage protection. C'est encore un exemple sri lankais, je m'en excuse, mais je suis un admirateur inconditionnel de Jeffrey Bava. Sorry, this is another image on Sri Lanka, but I'm an admirer of Jeffrey Bava. Et j'ai pris cet exemple parce qu'il est particulièrement symbolique de cette manière de construire un site avec de l'architecture. Yeah. I have chosen this because I found that this is very symbolic and of a site with architecture. Et dans ce cas précis, plus particulièrement dans une architecture qui est totalement en phase avec le climat. So this is, in this case, this architecture is on in phase with the climate. C'est toute la difficulté de la protection, c'est est-ce qu'on n'a plus le droit de rien faire ou est-ce qu'on a le droit de faire et à quelles conditions? So this is the difficulty of protection. What do we have the rights to do, and if we have the rights to do something, what would be the conditions attached? Il y a un troisième aspect très important pour moi dans cette question du patrimoine, c'est la question de la médiation culturelle. And the third aspect of this heritage question is cultural mediation. On ne peut pas, sorti des grands monuments, travailler sur le patrimoine sans prendre en compte les gens qui y habitent. So we cannot just work on protection or work on heritage without considering the people who are in it. Le danger, on le voit partout dans le monde, de ces quartiers habités protégés, comme celui de Little India, par exemple, et on le voit déjà sur Chinatown, c'est de transformer ces quartiers en musées. So, in protected zones, like for example in Chinatown, we see that it's been transformed in a place that is in use. Ça, c'est un exemple que j'ai pris au hasard à Mexico.
Mais je pourrais dire la même chose de Pondichéry en Inde, de Marrakech, de toutes ces villes aujourd'hui qui sont, malgré le fait qu'elles sont protégées, ont perdu leur authenticité parce que ce sont devenus des musées pour touristes. So I have taken this example from Mexico City, but I can also cite examples from Pondicherry or Marrakech about protected sites that have become tourist spots. Donc cette question de la médiation culturelle est un travail politique. Nous, experts, nous sommes là pour dire comment faire. Évidemment, on ne peut pas faire le travail à la place des politiques, mais si les deux ne sont pas faits parallèlement, je pense que cette question de la protection peut se terminer par une dénaturation qui n'est pas une destruction, mais qui ressemble beaucoup. I'm sorry, earlier I forgot to say that if we are not careful with this protected zones, we will lose the authenticity because they have become touristic spots. And then, so the question of cultural mediation is very important because there's a political aspect to it. And as an expert, what do we do? So, do we look at architecture, or do we look at heritage and protect them? And then, but you know, at the same time, if we change the nature, what do we do then in this case? Voilà, ce sont un peu les, que dire, les éléments de généralité que je voulais dire sur ma relation personnelle avec cette question de la, du travail sur le patrimoine. So this was the general elements that I wanted to share, and on my personal relationship on this theme of heritage. Maintenant, j'ai quelques exemples historiques que je voulais vous montrer qui me semble particulièrement intéressant dans ce rapport entre protection et territoire. So now I have a few historical examples which to me will demonstrate this relationship between protection and territory. Mon exemple le plus cher est Vauban, qui est un homme polyvalent du XVIIe siècle en France. So my reference or example that is the most dearest to me is Vauban, and Vauban was a politician in the 17th century. C'était un ingénieur. C'était un architecte, c'était un urbaniste, c'était un écrivain, un hydraulicien. So he was an engineer, an architect, an urban planner, a writer, musicien, vous avez dit? Non, pas musicien. Oh, il a peut-être aussi fait de la musique, mais il était hydraulicien, donc il s'occupait de l'eau. Hydraulicien concerne la gestion de l'eau. Ah, so he was also a hydraulist. Sorry, I didn't know this term, and who was in charge of water conservation. C'est donc quelqu'un qui rassemblait finalement toute une série de métiers en les travaillant avec une seule idée, qui était celle d'organiser la défense de la France. So it was someone who could take on various jobs with one idea of defending France. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense que le développement durable, ce n'est pas autre chose. So so we are talking about a sustainable development. C'est ce mélange entre des disciplines très différentes. So it's this mix between various disciplines, very different, very varied disciplines. Et c'est bien toute la difficulté que je rencontre aujourd'hui, c'est justement de pouvoir rassembler les disciplines pour faire des récits qui donnent une image de ce que pourrait être la ville de demain.
So the difficulty I have today is to really how do I assemble all these different disciplines and then have a direction, have a good narration to tell the story. Deuxième référence qui est quelqu'un qui était très important dans la manière dont je me suis construit mes propres références dans ce domaine, c'est Joseph Plechnik. So the second example is Joseph Plechnik. Plechnik est un disciple d'Otto Wagner, la sécession viennoise. So he was a disciple of Otto Wagner. Otto Wagner, sorry. Les architectes, je pense, dans la salle connaissent Otto Wagner. Ce nom. He was a disciple of Otto Wagner. Et ce qui est intéressant avec Joseph Plechnik, c'est que pendant 30 ou 40 ans, le maire de la ville de Ljubljana lui a confié l'ensemble des constructions de tout ce qui se faisait dans la ville. Donc, que ce soit un pont, un hôpital, une école, une bibliothèque, il a pendant 30 ou 40 ans tout construit. Okay. So, what's interesting in Joseph Plechnik's case is during 30 to 40 years, the mayor of the town of Ljubljana, sorry, in Slovenia, had conferred him with the task of all the constructions in the town. So, be they bridges, hospitals, schools, or libraries. Évidemment, ça m'arrivera jamais. Of course, this will never happen to me. Bien que ce soit un rêve. Even though it's a dream of mine. Mais ce que je voulais vous montrer surtout à travers cet exemple, c'est que Joseph Plechnik, qui était un architecte empreint de classicisme, réussissait à travers une invention à chaque fois nouvelle de récupérer cette image du classicisme dans des scénarios complètement inédits. So, through Joseph Plechnik, I want to show you that as an architect who had deep roots in classicism, he had succeeded in building heritage with classicism principles, and then the image of like classicism in unbelievable scenarios. L'exemple le plus célèbre, c'est ce pont au centre-ville qui était plus assez large et dont la ville lui avait demandé d'élargir. So the most famous example is this bridge in downtown of the city, and that he was asked to make bigger. Et au lieu d'élargir ce pont, il en a construit deux autres. So instead of enlarging one bridge, he had constructed two others. Et cette manière de réinterpréter une demande fait que c'est devenu le principal espace public de la ville. So this his way, his manner of interpreting the request of enlarging the bridge had succeeded in making what you see today. Donc l'héritage, la question de c'est une question de comment on travaille avec l'histoire stylistiquement, mais dans des formes réinterprétées qui apportent une vision qui n'est pas forcément celle de la commande. So heritage is also a question of how we work with history and how we can apply to like the examples to classic examples and then to form a vision and to have different shapes. Un autre aspect dans ce travail sur la question du rapport entre patrimoine et territoire et la question de l'expérimentation. Okay. So another aspect of this relationship between territory and heritage.
is this example. Ce bâtiment est un exemple pour moi exceptionnel. This building is an exceptional example. De la manière dont, dans une écriture architecturale totalement moderne, and in a way in a very modern architecture, a été réinterprétée une histoire aussi vieille que la construction. And it was interpreted in how, like, through the history of construction and how it became this way. Avec cette idée très simple de reprendre les matériaux sur lesquels le bâtiment est construit. With the simple idea of using the same materials that of which the building was constructed. Donc, ce mur a été fait avec le gravier sur lequel, le gravier, ce sont des pierres, mm-hmm. sur lequel est construit ce bâtiment. So the wall was made out of stones, and so this whole building will take the stones from this original construction and use the same stones. Cette relation très intime qui est une des clés des bâtiments historiques est là réinterprétée de façon, je trouve, totalement exemplaire. Yeah. So this relation, intimate relationship, how they take the key element of historical buildings to reinterpret what they can with this element that to me is extraordinary. Voilà donc trois exemples: Vauban, Plechnik et Herzog et de Meuron, pris dans trois siècles différents pour montrer quelles sont les attitudes que je pense vraiment essentielles quand on travaille sur les questions d'héritage. So I've shown you three examples of Vauban, Plechnik, and Herzog and Meuron. So to show you what I think is an important attitude when we work on heritage. Après donc cette référence, je reviens au sujet qui est ce rapport entre héritage et développement durable. So after the above references, we come back to sustainable development. Dans mon introduction, je vous disais que pour moi, je commence toujours une ville par l'inspection de la question de l'eau. So in my introduction, I had said that I always start with the inspection of water in a town. Et plus je voyage, et plus je suis persuadé que la question de l'eau, c'est le problème numéro un dans le monde entier. So the more I travel, the more I'm persuaded, I'm convinced that the question of, like, water is the most important, is number one. Parfois il y en a trop, parfois il y en a pas assez. Sometimes there are too much, there's too much water. Sometimes there's not enough water. Parfois elle est très polluée. Sometimes water is polluted. Parfois, elle est souterraine, on la voit pas. So sometimes the water is underground that you cannot see. Mais la question, elle est présente dans, pratiquement dans toutes les décisions de l'acte de construire. But this is a question that is important in all the decisions of constructing anything. Cet exemple de Montpellier est sans doute la plus belle mise en scène que je connaisse de l'arrivée dans l'eau, de l'eau dans une ville. Yeah. So this image of Peru in Montpellier in France is a very good example of how the water arrives, you know, through the town. You can see from this image. Ce jardin est le point haut de la ville. So this garden is the point of the water in this town. Point haut, le point, pas le point d'eau, le point, le plus haut. The highest point in this town, sorry. Et sous ce jardin, il y a le grand réservoir d'eau potable. And under this garden, there is a big reservoir of drinkable water. Et de ce réservoir est alimenté par cet aqueduc ici qui apportait l'eau pour alimenter ce réservoir. So you have water from this reservoir. We'll go through this aqueduct to so that the water can flow through.
Bien sûr, bon, c'est un exemple historique. Of course, this was an historical example. Mais ça montre à quel point ce sujet, quand on veut le traiter autrement qu'avec des canalisations, peut apporter un vrai événement dans les villes. So this shows that how we can build such a structure in town, in a town, instead of just using canals or canalizations. Toujours dans ce travail avec les éléments, je pense que on est dans une période dans laquelle on a perdu un peu le sens de la mesure. So again, talking about natural elements around us. So this is how we can. This is too much. Par vanité ou par excès de confiance, je vois un peu partout dans le monde des constructions qui se détachent totalement de la question des dangers qui sont toujours sous-jacents quand on travaille avec la nature. So I see excess of that in the world of all this, like this is detached from the natural elements, and then we have all the détanges, vous avez dit? Pardon. Vous avez dit des problèmes d'étanges? Danger. Ah. So when you detach from the natural elements, you have a problem. We have danger with this. Dans cette question, la montée du niveau des mers est un sujet très préoccupant, probablement aussi à Singapour. So this one, in this case, the rise of the water level, the sea water level, was primordial. Et je trouve que dans ce rapport entre ville et eau, qui est un sujet magnifiquement mis en scène dans cette ville. So this relationship between town and water is well shown in this image. Cette question, elle ne peut pas être dissociée de la manière dont, dans un siècle, alors c'est vrai qu'à Singapour, la mer n'a jamais fait que reculer par les couches d'urbanisation successives. So I think this question cannot be dissociated between town and water. Of course, in Singapore's case, so the seawater has never like risen further. It has been pushed back. Mais vous voyez, pensez tout récemment à Fukushima et vous avez une bonne illustration de ce que ça peut être quand on ignore les dangers que peuvent représenter certaines constructions trop hasardeuses par rapport à la nature. So, the recent example of Fukushima is a good illustration to show how when we ignore the dangers of this relationship between town and water of certain buildings, so then it becomes dangerous. J'ai juste pris cette image comme un clin d'œil à cette idée. Cet hôtel qui était sans doute l'hôtel le plus extraordinairement placé en France. So I took this image of this hotel, which is very well, highly classified in France. Il était construit là, à cet endroit-là. It was built there at that point. Et après des débats très longs et très, très passionnés entre est-ce qu'on a le droit ou pas de détruire un bâtiment sur des questions patrimoniales, il a été quand même décidé, je trouve que c'est une bonne décision, de rendre à ce site sa totale légitimité naturelle. So there was a long and passionate debate about the right to destroy the building, but it was decided that we should do that, and then I think it was a very good decision because then we have returned this site to what it was. Dans mes projets actuels, nous travaillons beaucoup sur cette question de
la réhabilitation des grands sites. So recent projects will include the rehabilitations of such a big site. Ça, c'est un exemple sur la côte de la Méditerranée. This is an example on the Mediterranean coast. Où la question de la pression touristique a amené à construire dans les années 70 deux routes sur ce site. So this is where, because of tourism pressure, that in the 1970s we have constructed two roads. Et évidemment, particulièrement cette route très proche de la plage a fait que la mer reprenait son sable et la plage avait quasiment disparu. So it's an example of this road that's built on the beach near the sea, and then because of the sand, the beach has like almost disappeared. Donc nous avons enlevé cette route très récemment. Elle était là. So we have this road constructed this road recently. Ah, c'est celle-là. It was there avant. Et ce qui est extraordinaire avec la nature, contrairement à l'architecture, c'est que elle refait le travail tout seul. So what's extraordinary with Mother Nature is everything is done naturally. Everything just gets done naturally. Il suffit de lui donner le petit coup de pouce qui permet de recréer les processus naturels. So we just need to give a little push for Mother Nature to recreate its natural process. Je me souviens d'une visite de ce projet il n'y a pas longtemps avec un groupe d'étudiants. I remember that I visited this site with a group of students. Et un étudiant qui m'a dit, oh, vous n'avez pas fait grand-chose. A student told me, oh, you didn't do much. Et j'ai dit, mais c'est exactement mon métier. That's exactly my job. C'est de faire juste le minimum qui permet à la nature de faire le travail. My job is to do the minimum so that nature can work. Pardon. Dans ces questions qui traversent aujourd'hui notre vieille Europe, il y a un autre phénomène qui est particulièrement visible aujourd'hui en Allemagne, plus spécialement à Berlin. So across old Europe, there is a phenomenon, especially in Berlin, in Germany. J'appelle ça l'urbanisme rétrospectif. So I call this retrospective urbanism. Comment on sait tout faire aujourd'hui? La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pas reconstruire les bâtiments historiques? So the question is, why not reconstruct what it was like before. Ça, c'est le château de Berlin. This is the Berlin Castle. C'était un chef-d'œuvre de Schlüter et Schinkel. So this was a masterwork of Schlüter and Schinkel. Schinkel, sorry for my German. Schinkel est un architecte mondialement connu. Schinkel was a well-known architect. Entre-temps, il y a eu les bombardements de 1945 qui ont détruit le château. So, in between, in 1945, there was a bombing that destroyed this masterpiece. Et puis, il y a eu une occupation de ce site pendant 30 ans par le régime communiste. And there was a 30-year occupation by the communist regime. Qui ont construit à la place de ce château un bâtiment absolument horrible. So who had built another building which was terrible, horrible. Qui était bourré d'amiante, donc il a été détruit dès la chute du mur. And the building was had a lot of lead. So what happened was after that it was just destroyed. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu des débats très longs sur cette
question, est-ce qu'on peut ou on doit ou on, dans quelles conditions on pourrait refaire l'histoire. Mais comme on le voit sur cette image, la reconstruction est une falsification de l'histoire. So, there was a long debate. What was interesting was there was a long debate about how we can, how we should, how we do it to remake history. And you guys can see from this image how we can repair without falling into the trap of decoration. Je rappelle toujours que l'art est immortel, pas les œuvres. L'art est? L'art est immortel. Ah, okay. Mais pas les œuvres. I would like to remind you that art is immortal, but not men. Et je ne crois pas qu'on puisse, sauf à transformer les villes en décor, gommer les 40 ans de communisme. Mm-hmm. So, it's difficult to have a town that we can decorate because, you know, we have to go back to history. So, it's just not possible. Dans cette question de l'urbanisme interprétatif, alors ça c'est peut-être difficile à traduire. So on the question of interpretative urbanism. Disait Didier hier soir que voilà tes prochaines vacances à Valls dans un bâtiment, un petit chalet qu'a construit Peter zum Tor. So yesterday Didier was saying that for your next vacation you have to go to Valls. C'est un chalet, d'ailleurs, que vous pouvez louer si vous avez envie de passer des vacances en Suisse. So it's a chalet that you can rent if you want to go to Switzerland on vacation. Et ce que je trouve absolument extraordinaire dans cet exemple, c'est que, vous voyez, ça c'est l'architecture traditionnelle dans les grisons. So what I find extraordinary in this case is how you see this traditional material. Et ça, c'est l'interprétation de Peter zum Tor. Oh. So this is an interpretation of Peter zum Tor. Peter zum Tor. Tout y est. Vous avez les ouvertures. So you can see there are openings. Les toitures, les débords de toitures, the end of the roofs, le socle, le rapport au sol, and the relationship with the soil. C'est une, voilà, pour moi, le meilleur exemple de la réinterprétation dans un langage 100% contemporain de l'architecture vernaculaire. So this is, for me, the best interpretation of something and which is 100% contemporary. C'est une leçon qu'on devrait essayer de transposer beaucoup plus souvent dans notre manière de construire aujourd'hui. So it's a lesson that we should transpose in the way we build buildings today. Cette année, le Grand Prix d'architecture en France a été décerné à un ami qui s'appelle Bernard Quirot. So this year, the Grand Prix in France was awarded to Bernard Quirot, who is a friend. Voilà. Qui pour ce bâtiment. For this building. Dans un très très beau village. In a very beautiful village. Une très belle, je ne sais pas si on dit une abbatiale ou une abbaye, une très belle abbaye. Et c'est comme pour l'exemple de Peter zum Tor, il y a voilà le bâtiment, un détail de ce bâtiment. So, just like zum Tor, in his reinterpretation, you can see that the building, as you can see on the right here, Quirot had worked on the building, and of course here you can see the monastery in this village as well. Et je trouve que c'est des leçons d'humilité qu'on devrait méditer un peu plus quand on travaille dans l'acte de la construction. So I think this is a lesson on humility that we need to learn when we learn how to construct.
C'est pas dans l'air du temps, je sais, mais je trouve que c'est peut-être aussi une des grandes modernités de la question de l'héritage aujourd'hui, c'est de rappeler ce genre de vérité. So I know it's not in our times that we talked about such a thing, but maybe, you know, that we can look at this aspect when we talk about heritage. Un autre élément qui m'intéresse beaucoup, c'est la seconde vie des choses, la troisième vie des choses. Hier présenté ce magnifique exemple de l'Hôtel Dieu à Lyon, montre à quel point, finalement, on peut transformer des bâtiments avec des assemblages qui les rendent peut-être encore plus intéressants. Yeah. So yesterday we had an example about the hotel in Lyon, how we had assembled like different elements. Et tout à l'heure, en arrivant avec Alexandre, on est passé devant le port qui doit être déplacé. So just now when we came with Alexandre, we saw the port. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ville avec cette grand paysage de grues sur ce port. So I was saying that, wow, so what can we can do a lot of things with this background of cranes and assembly of different elements. Pour moi, la destruction est toujours une forme de lâcheté. Pardon? La destruction est une forme de lâcheté. So destruction is also a way of getting things done. Et voyez, ça c'est un exemple que j'ai pris à Essen dans une usine sidérurgique. This is an example of Essen in Germany. Où on voit comment d'une fonction initiale 100% industrielle, on est passé à une fonction culturelle, sportive, qui est une des plus belles réemplois que je connaisse au monde d'un bâtiment industriel. So from the picture on the right, you can see it was a mine, and it was it had an industrial function, whereas now it's got a cultural and sports function. Si vous n'avez jamais dansé dans un haut fourneau, eh ben, je vous invite d'aller faire un tour à Duisbourg, une ville à côté de Essen. So, if you have never danced near a big oven, so I invite you to go to Duisburg in Germany, which is near Essen. C'est la plus belle discothèque du monde. It is the best, the most beautiful discothèque. On me dit que j'ai plus que 3 minutes, donc il faut que j'aille plus vite. Donc, I only have 3 minutes, I have to be faster. Je vais sauter 2-3 images, mais pas celle-là, parce que je voulais montrer 2-3 autres exemples. Nous, dans les 20 dernières années, j'ai énormément travaillé sur des projets qui marient des questions de mobilité et de patrimoine. So I wanted to show you this 2-3 images on projects I've been working on the last 20 years on which is related the question which is related to heritage. Ça c'est à Avignon. This was in Avignon. Les remparts sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. So the walls, the fort walls, are classified by UNESCO as a heritage, world heritage site. Aujourd'hui, ce sont des parkings au pied des remparts. So today you have like parking spaces just below the fort walls. Et des arbres cachent pratiquement complètement toute perception de cette fortification. So the trees that you see there actually hide all the perception of all the of that image, the impression that you get with the cars. À l'occasion d'un projet d'installation d'un système de transport public. So this was during a transportation project, a public transportation project. Projet qui a permis de transposer les parkings à l'extérieur du centre-ville.
So it was a project that we had to move this parking outside of the main town area. Nous avons fait ce qu'on doit faire sur ce genre d'endroit, c'est dégager les vues, couper des arbres de temps en temps, même. So we did what we could in this case. So we had to clear so that the view is clear. So that so we cut the trees. Dans notre périple de mercredi avec Kelvin, il se plaignait souvent que il est absolument impossible de toucher un arbre dans cette ville. So I know that Wednesday we know that in this town that we cannot touch trees just easily like that, just cut trees. Mais comme je suis paysagiste, je peux le dire. De temps en temps, il faut enlever les arbres. So, as a landscape architect, I must tell you that from time to time, we do that. We cut trees. C'est un autre exemple dans ma ville où ça fait 25 ans maintenant que je travaille sur ce projet de transport. So, this is another example in my life of 25 years of working on transportation projects. Et il y a eu des longs débats. Est-ce qu'on a le droit d'installer un transport public dans une perspective aussi fabuleuse? So there were long debates about how we install, how we build public transportation in such a fabulous location. La cathédrale de Strasbourg faisant partie des très grandes cathédrales gothiques en Europe. So this that is the cathedral of Strasbourg, which is one of the largest cathedrals in Europe. Et j'avais dit que non seulement, laissez-moi encore 3 minutes, c'est possible. Yeah, I can have 3 more minutes. Non seulement on doit installer le transport public dans les axes majeurs. So not only do we have to build public transport in the major axes. Mais en plus, il faut qu'on en profite pour améliorer la vue sur le bâtiment. So we will also try in this project to improve the view to this cathedral. C'est pour ça qu'on a créé ce grand tapis vert entièrement dédié à la cathédrale. So that's why we created this this whole long corridors to that we can see the cathedral from. Je saute pour terminer sans trop dépasser. Mais je terminerai quand même sur l'exemple le plus compliqué que j'ai à traiter dans ma vie. So I have jumped over the slide, so I will come to this most complicated project that I have ever taken on in my life. Ce projet a consisté à réhabiliter le site du Mont Saint-Michel, qui est le deuxième monument le plus visité en France. So the project consisted in rehabilitate the this site Mont Saint-Michel, which is the second most visited site in France. Ce projet, il a croisé 3 sujets. Le premier, c'est un désenvasement de la baie. Ah, c'est un mot difficile. Okay. So there are 3 things that are involved in this project. So mainly the first one is the water, how the water flows around this project. Le charme du mont, c'est d'être posé dans la mer. So the charm of this Mont Saint-Michel is being like in the sea. Et si rien n'était fait dans 30, 40 ans, il était entièrement posé sur une prairie. So if nothing was being done, it wouldn't be in a sea, it would be like just on the ground in 30 to 40 years if we didn't do what we had to do. Le deuxième élément, c'est lié au tourisme de masse. So the next thing is because there's mass tourism arrivals there. Et quand on arrivait sur le mont, on avait une vision sur un grand parking. So when we arrive at Mont Saint-Michel, we have this vision of having big parking spaces. Et dans cet projet, donc il y a eu 3 actions importantes. So in this project, there are 3 important actions. La première, c'est la destruction de cette digue. So the first is a destruction of this this link. Voilà, remplacé par un pont.
it will be replaced by a bridge. La deuxième, c'est la reconstitution d'un parking à l'arrière. The second is a reconstitution of a parking dans cette behind là, it, dans there. Dans cette situation. Et la troisième a été un projet hydraulique avec ce barrage pour créer une sorte de grande chasse d'eau pour chasser les sédiments vers le large. Okay. So the third one is to have a hydraulic project so that you know we can chase the water out from around here to the sea. On a inventé un système de transport original. We had come up with this original idea, inventive idea of transport. Ça c'est le prototype. This is our prototype. Je vous dis pas les complications. And it was I won't tell you about the complications that we had. Et voilà donc le site réhabilité so avec this was the site that was reconstructed. La nouvelle passerelle. With the new bridge. Les infrastructures d'accueil construites dans les champs. So the infrastructure in the fields. Et le barrage qui permet de stocker l'eau pour chasser les sédiments. Yeah. So and then the barricade for us to stock water to chase them to the sea. C'est pour moi le projet sans doute le plus compliqué mais le plus emblématique de ce qui est aujourd'hui un projet qui croise un problème d'héritage et de développement durable. So for me, this was the most complicated project, and this is very emblematic of how we cross heritage and then through the architecture. Je repense souvent à Vauban parce que c'est hydraulique, architecture, protection des territoires, tous ces ingrédients se retrouvent dans ce projet. So in this project, so which is a cross between heritage and sustainable development, so if you look at the hydraulic project, it's that's protection. It's protection and also sustainable development. Et c'est, pour moi, je trouve un des meilleurs exemples aujourd'hui dans ce travail simultané dans différents domaines pour arriver à une invention. So this is one of the most one of the best examples of the simultaneously of how we can have juxtapose different positions. C'est pour moi, je terminerai là-dessus, l'image la plus belle de ce qu'on peut faire avec l'écologie. So for me, so I will end with this. This is the most beautiful image. L'écologie comme un projet positif. So this is a positive project on ecology. Et un projet qui ouvre un rêve, des perspectives. So this is a project which opens the perspectives. C'est, je pense, pour moi en tout cas, le grand défi du 21e siècle. And this was a big challenge of the 21st century. J'ai un peu dépassé, je vous désolé. Sorry, I overtook the time. Je vous remercie. Thank you very much.